Salut, c'est Maximilien Dupré. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment sortir, comment démonter votre pédalier Shimano Deor XT. Il s'agit du modèle FC-M8000. Pédalier Shimano XT double plateau. Vous avez besoin de quelques outils pour sortir votre pédalier de votre boîtier de pédalier, c'est-à-dire le démonter de votre vélo. Tout commence par un petit tournevis comme celui-ci. Ensuite, des clés Allen, pourquoi pas un système comme celui-là. Et le petit outil Shimano, il est là. Petit outil Shimano TLFC16. Vous le trouverez facilement sur Internet. Pour commencer, vous devez utiliser la clé Allen et desserrer la manivelle du côté gauche du VTT. Il s'agit donc de choisir la bonne clé Allen, la bonne taille de clé Allen. C'est celle-ci. Vous dévissez ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous faites bien attention de ne pas taper le cadre. Deuxième vis de l'autre côté, vous faites la même chose. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Une fois que ces deux vis sont desserrées, vous prenez l'outil TLFC16 Shimano, vous l'insérez ici et vous défaites cet écrou en plastique en tournant à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous mettez cette petite pièce de côté pour ne pas la perdre. Ensuite, avec le petit tournevis, vous enlevez ici la petite goupille de sécurité. Voilà, et vous pouvez maintenant retirer votre manivelle. Ensuite, vous enlevez la chaîne de l'autre côté du vélo et vous n'avez plus qu'à taper ici pour faire sortir votre pédalier de son boîtier de pédalier. Voilà, ce tutoriel au sujet de votre pédalier M8000 Shimano est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de cocher la petite option de notification pour recevoir un email à chaque fois que je publie un nouveau tutoriel. Inscrivez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Envoyez-moi toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans un prochain tutoriel. À tout de suite.